Allez, il est temps de faire un petit tour de Carte Blanche, qui est le tiers-lieu du Blanc dans l'Indre. C'est l'ancienne maison médicale qu'ils ont renommée en maison amicale et qu'ils ont bien sûr investi. Il y a une cuisine, il y a des bureaux pour les permanents. Il y a aussi plein d'associations qui sont hébergées. J'ai fait un tour relativement exhaustif, mais pas complètement précis, de tout ce qui s'y passe. C'est sur 3 étages, il y a un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol. Et si je me souviens bien, ça fait à peu près 700 mètres carrés. Donc il y a un petit peu de place. On va descendre justement au sous-sol, où il y a leur atelier, un atelier plutôt ouvert et plutôt grand, où ils font plein d'activités, de la sérigraphie, je ne sais plus les autres choses qu'ils font exactement. Pour plus de détails, ben, contactez-les directement. Mais il y a plutôt des grands espaces, il y a même une CNC qui traîne, il y a des espaces de rencontre, et une de leurs grosses activités justement c'est d'héberger des associations mais aussi des gens pour y travailler. Donc il y a des salles de réunion que les gens peuvent louer, il y a des espaces de coworking, des bureaux partagés, des bureaux pas partagés qui sont loués au mois, à l'année, etc. Et puis aussi plein d'autres activités. Merci à Quentin d'ailleurs de m'avoir guidé dans cette aventure. Et on va pouvoir continuer un peu notre visite avec justement les studios de Radio Dynamo. On voit d'ailleurs le joli fond d'écran avec Didier Super, qui est une radio qui est au Blanc et Argenton, et qui est hébergée à Carte Blanche. Mon impression, c'est que c'est vraiment un peu un fouillis, mais un fouillis intéressant, avec plein de choses, plein d'activités, plein de gens qui sont là, plein d'associations, et qui permet justement une espèce de synergie entre tous ces gens-là, qui sont dans le même bâtiment. En tout cas, c'est un bâtiment plutôt agréable, et je vous invite, si vous êtes dans la région, à aller leur rendre visite et à leur faire un petit coucou de ma part. Je suis Pauline Tricoche, j'ai 27 ans et je suis salariée à Carte Blanche. Et je suis coordinatrice et animatrice du café associatif parce que dans cet asso, on n'est que 2 salariés et que ma collègue s'occupe de la coordination générale de l'association et que moi, je suis vraiment sur le café associatif et puis d'autres petites choses comme l'atelier partagé dans lequel on se trouve actuellement. Le lieu en lui-même s'appelle la Maison Amicale, parce que c'est une ancienne maison médicale du Blanc, qui a été récupérée suite à la lutte contre la fermeture de la maternité de l'hôpital du Blanc, juste à côté. Donc c'était le bâtiment avait été acheté par la SCI des médecins précédents. Et puis on a fini par s'y installer. Carte Blanche a fini par grandir dans ce lieu en 2020. On a fini par en acheter les murs début août 2023. Et du coup, si je me trompe pas, il y a à peu près 300 mètres carrés par étage. Et on a un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage. Donc on a à peu près beaucoup d'espace. Voilà. Et on se situe juste à côté de l'hôpital du Blanc, du coup, sur le parking, en plein cœur de la ville du Blanc, dans l'Indre. Parce que je pense qu'il y a une particularité qui est un peu propre au tiers-lieu, que de se dire on a un lieu, qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense qu'il est unique parce que les gens entrent dedans et disent on aimerait bien faire ça, et nous on est juste là à notre bureau, on fait ok, on doit pouvoir le mettre en place. Et en fait c'est au fur et à mesure des gens qui sont venus en disant on aimerait bien avoir un atelier, on aimerait bien avoir un lieu pour avoir des rencontres, pour boire des coups avec les copains à la sortie, on ne sait pas où travailler, on aimerait bien avoir un vrai bureau à nous. Enfin, tous ces trucs-là ont fait que Carte Blanche s'est construit un peu tout seul, quoi. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Et il y a des horaires, ça c'est les horaires un peu d'accueil où nous on est là aussi. Mais c'est aussi un lieu qui est un peu utilisable par des gens en dehors des horaires où nous on est là. Donc par exemple, on a des ateliers qui s'organisent avec les gens qui ont les clés, qui viennent, qui font des choses. Et puis nous, les permanences du Café Bien par exemple, elles se tiennent le soir, donc parfois jusqu'à 22h. Et puis quand on a des concerts ou des dates un peu comme ça, on est ouvert aussi à d'autres moments, quoi. Mais ça, tout se suit sur les réseaux.
Et ben, il y a du coup de la mise à disposition des espaces. Donc il y a effectivement des bureaux à l'année pour des assos, mais aussi du coworking, mais aussi des salles de réunion qu'on peut emprunter. On a du coup ce fameux pôle atelier partagé, dans lequel il y a des cours, dans lequel on peut venir se former, dans lequel qu'on peut aussi utiliser d'une façon complètement autonome si on connaît si on sait comment servir des choses. Il y a du coup le Café Bien, qui est le café associatif, dans lequel il est aussi possible de venir profiter, mais aussi d'être bénévole, mais aussi de proposer des choses. Par exemple, on a des repas partagés qui s'appellent la Cantoche, où c'est des bénévoles qui viennent cuisiner pour en général 45 personnes, et nous, on les accompagne dans cette démarche. Mais on fait aussi de l'accompagnement d'initiatives. N'importe qui vient avec une idée ou un projet, on les aide à trouver des financements, essayer de le mettre en place, le réfléchir ensemble ou mettre en lien. Et ça, c'est un peu à l'échelle de carte blanche, mais on est aussi en partenariat avec d'autres gens sur le territoire, comme le Parc Naturel de la Brenne. On fait plein de choses avec plein d'autres assos qui sont là. Voilà. Notre mission est un peu de tisser le lien local et social. Je pense que chaque tiers-lieu a son identité propre en fonction de c'est quoi son cœur. En gros, il y a des gens qui vont créer un projet en disant le cœur du projet, c'est une salle de ciné. Et puis autour, ils y mettent des choses. Et je pense que carte blanche, au début, ça a été un lieu de lutte où les gens pouvaient se retrouver avec un objectif commun ensemble. Et puis au fur et à mesure, ça a fini par être... une émulsion, je sais pas, je dirais que c'est surtout un peu le Café Bien, mais en fait, s'il y a tellement d'autres choses, je je saurais pas dire. Et ben, on a des publics spécifiques à chaque activité. Par exemple, on n'a pas les mêmes gens qui viennent faire de la poterie le samedi et qui viennent aux soirées concert punk à d'autres moments. On n'en a pas tout le temps, mais c'est vrai qu'on a un public assez intergénérationnel parce qu'en fait, on a quand même une association ici, la MFR, qui pour le coup reçoit des jeunes 3 jours par semaine qui ont entre 15 et 25 ans si je me trompe pas. Et on a aussi par exemple Emmaüs Connect qui lutte contre la fracture numérique et qui du coup a un public qui peut être relativement senior, mais on a aussi des gens qui viennent du CADA de Bélabre qui ont besoin d'être là aussi pour d'autres raisons. Parfois on a des enfants qui viennent avec Affiche la couleur, porteurs de handicap ou non. En fait c'est vraiment très... très éclectique de par les assos qui sont ici. Après, notre public cible à nous, entre guillemets, il est quand même moins axé sur les enfants parce qu'on n'a pas d'activité spécifique ou de choses spécifiques à leur attention. Moi, je dirais que c'est un endroit, soit qui existe, soit qui est né de l'imaginaire des gens, où juste les gens ils sont venus dedans et ils se sont dit oh, « Venez, on imagine plein de choses ». Et on bricole pour essayer de faire que ça marche. Et du coup, ça peut être tout et n'importe quoi dans un lieu avec des gens. Non, là pour le coup, je crois que le terme tiers-lieu est pas mal utilisé parce que... Enfin, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas particulièrement un Fab Lab, par exemple. On n'est pas particulièrement... Il n'y a pas un bout de carte blanche qui ressort plus que les autres. Du coup, maison amicale, j'aime bien parce que c'est plutôt... Ouais, c'est une maison des possibles, quoi. Une maison des rencontres. Carte blanche, il y a un conseil d'administration d'une petite vingtaine de personnes. Je crois qu'ils sont 17. Plus un bureau qui est composé de 6 personnes. Et 2 salariés, du coup, ma collègue et moi. Et donc, même si le CA et le bureau, on va vraiment les voir pour tout ce qui est décision principale et majeure, on est quand même pas mal autonome sur ce qui se passe ici, mais que ce soit juste en termes d'activité, de ce qu'on fait, de ce qu'on... Voilà. Et après, tout ce qui vraiment est de l'avenir de l'association, par exemple les travaux du bâtiment, ce genre de choses, dès qu'il s'agit de bouger des grosses sommes sur des comptes parce qu'il faut qu'on fasse des choses sur le bâtiment, et ben là, d'un coup, toute la gérance, elle revient d'abord sur le bureau en petit groupe pour faire de la réflexion cérébrale à 6 personnes, parce que c'est vachement plus simple que de t'y mettre à 35. Et puis une fois qu'on a défini un plan d'attaque, on le présente au conseil d'administration. Et si jamais il est bon, on s'arrête là, et s'il faut en rediscuter, on repart sur des réunions plus petites. Non, ça vient plutôt de nous. Ça vient
plus, c'est mitigé en fait, ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets où c'est obligé que ça vienne du bureau ou du CA parce que c'est des choses absolument nécessaires à faire. Et après tout ce qui est de l'ordre de qu'est-ce qu'on fait ici, les activités, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus, qu'est-ce qu'on pourrait arrêter, tous ces trucs-là, ça vient de nous. Mais au final, c'est vraiment très mélangé parce que le CA et le bureau, c'est pas comme si c'était des entités supérieures inconnues. C'est des potes avant d'être des collègues. Du coup, c'est vraiment assez chill. Et ben, en cas de conflit, on prône beaucoup la communication. Donc, on essaye de comprendre à quel moment ça a foiré et comment on fait pour continuer d'avancer ensemble. Donc, il y a des moments où on prend le temps de démêler les émotions de chacun, qu'est-ce qu'on ressent, comment on fait pour plus se sentir comme ça et comment on fait pour bosser ensemble. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de subventions. Alors si je ne me trompe pas, il y a de la région, il y a du PNR, il y avait de l'Europe pendant un temps. Il y a vraiment plein de bouts de financement mis ensemble pour faire et nos salaires et du fonctionnement et de plein de choses. Et nous, on essaye de faire plein de financements, on essaye d'aller vers l'autofinancement, notamment avec les foyers des assos qui sont là, les loyers des assos qui sont là à l'année, mais aussi les cours d'art par exemple, ça nous est très utile pour faire fonctionner l'atelier. Et puis bah, le café bien ramène quand même un peu, même si on s'en sert plus pour faire fonctionner le café en lui-même, faire venir des groupes, tous ces trucs-là. Et après tout le reste des subventions, vraiment je ne sais pas du tout. Ouais, et ben ça dépend du service, mais disons qu'on essaye toujours de fonctionner avec trois tarifs. Ça fonctionne pour les loyers, mais ça fonctionne aussi pour les repas de coworking, les repas de la cantoche de bénévoles. Donc le but, c'est d'avoir un tarif classique, à peu près normal, quoi, classique. Et pour permettre à des gens qui ont moins de moyens, on a un tarif en dessous. Et pour permettre de compenser ce tarif un peu plus bas, on met un tarif plus haut pour les gens qui aimeraient du coup... C'est ça. Mais en fait, ça ne veut pas dire que parce qu'un jour on a pris le tarif au-dessus, on doit tout le temps payer au-dessus. Et parce qu'on a pris le tarif en dessous, qu'on ne peut pas aussi... En fait, c'est chacun choisit. Et souvent, on s'en sort très bien avec ça. Et ça permet aussi à tout le monde de trouver une place. Et si jamais c'est trop compliqué, on est aussi ouvert à en parler avec les gens, à trouver une solution, à s'arranger ensemble parce que c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne. Et puis on a pas mal de choses qui sont gratuites aussi. Par exemple, les soirées qui se passent au Café Bien, les concerts, on ne fait pas payer les entrées. Par contre, pour consommer de l'alcool au bar, il faut prendre une adhésion parce que ça c'est pour le côté légal parce qu'on n'a pas de licence. Mais du coup, on garde quand même, on essaye de ne pas monter le prix de nos boissons, de nos consos, de nos planches parce que ça nous importe aussi, quoi. C'est pas indécent. J'étais payée, alors nous on est en plus rattaché à la convention Éclat, du coup j'étais payée 1580 l'année dernière et on a eu une revalorisation des salaires de 100 euros, donc je suis payée environ 1600 quelque chose. Eh ben plein de choses en fait, je crois, parce que je suis arrivée en Indre dans la maison d'enfance de mon papa il y a 3 ans, en plein Covid. Donc la seule sociabilité que j'ai trouvée, c'était vraiment des workawayers qui sont des bénévoles internationaux qui venaient chez moi. Donc vraiment, j'allais les chercher au blanc pour les ramener chez moi. Et je rencontrais personne parce qu'il y avait vraiment personne dans les environs. C'était absolument merveilleux. Et au bout d'un an, quand ça a commencé à se débloquer, j'ai un ami qui m'a dit « Viens, on va au café, au bar associatif qui est au blanc. » Et moi, je me suis dit « Quoi ? Il y a un bar associatif au blanc ?» Et en fait, premier soir, j'arrive, c'est une soirée théâtre et je rencontre des gens absolument... merveilleux derrière le bar et je me dis j'ai envie d'être leur copain et j'ai envie d'être bénévole et j'ai envie de m'impliquer ici genre pour toujours. Et au bout de 6 mois j'ai rejoint le CA, enfin j'ai été bénévole longtemps, puis au bout de 6 mois j'ai rejoint le CA, et puis je réfléchissais à peut-être encore m'impliquer plus au moment où la collègue précédente qui avait mon poste a arrêté son contrat et donc on m'a proposé de reprendre la suite. Et du coup, je me suis dit, ok, mais je ne suis pas du tout formée pour ça. Mais il y a vraiment un truc de confiance et de proposition et de relation ici qui est vraiment cool. Donc on m'a laissé une chance sur un poste que je n'aurais pas pu avoir du tout.
Et que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'au final, je fais pas mal de programmation maintenant sur le Café Bien, parce que mon poste a beaucoup évolué. Et que j'organisais déjà plein de choses, plein de concerts et plein de trucs quand j'étais jeune, parce que mon papa a eu aussi une salle de musique. Du coup, la motivation est vraiment bien, parce que c'est la possibilité de faire tout plein de choses. Ce que j'aime pas, c'est... Alors, je vais commencer par ça, parce que comme ça, c'est fait. Je suis très maniaque, et c'est vrai que dans des espaces partagés... C'est un peu compliqué de devoir passer derrière tout le monde et de devoir ranger, ça peut être très fatigant. Du coup, au moins, ça m'oblige à lâcher un peu prise. Mais ce que j'adore ici, c'est qu'en tout cas, aucune journée ne se ressemble. Vraiment, je peux arriver au boulot en me disant « je vais faire ça ». Et en fait, ça se passe pas du tout comme ce qui était prévu. Là, par exemple, aujourd'hui, je pensais pas du tout me retrouver dans l'atelier partagé face à une caméra. Mais c'est vraiment le fait que je peux me lever en me disant « Oh là là, j'ai une idée, ça va être fou !» Je le propose à des gens et ils peuvent me dire oui ou non. Et s'ils me disent oui, je suis là genre « Ok, et bah, on y va quoi !» Et ça, c'est vraiment cool quoi. On a vraiment la place de faire des projets. Un mot de la fin. Bisous. Oui, alors je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans. Bientôt 38, voilà. Donc, je suis animatrice coordinatrice du tiers-lieu Carte Blanche avec ma collègue Pauline. L'association Carte Blanche est située donc au Blanc, à côté de l'hôpital, et elle est située dans les locaux de l'ancienne maison médicale. Alors, pas tout de suite, il a fallu un petit peu de temps, mais donc comme l'a expliqué Pauline, c'est né d'un mouvement, en fait, un mouvement citoyen pour défendre la maternité du Blanc. Et tous les gens de ce mouvement-là ont commencé à se structurer, se rassembler. Et en parallèle, les médecins qui occupaient cette maison médicale ont déménagé. Donc, ils ont gracieusement au départ mis à disposition les locaux pour ce mouvement. Et au fur et à mesure que le mouvement s'est structuré en association, les médecins avaient pour projet de vendre le lieu, mais ça a pris un petit peu de temps et tout ça. Donc, au départ, ils mettaient à disposition les locaux à l'association. Et puis est arrivé un moment où donc ces médecins qui étaient structurés en SCI ont souhaité vendre, puisqu'ils étaient tous soit retraités, soit installés ailleurs. Et donc il a fallu que l'association puisse se retourner assez rapidement. Moi, je n'étais pas encore dans l'association à ce moment-là, mais si j'ai bien compris, en un mois, il a fallu trouver les fonds pour devenir propriétaire des lieux, puisque le risque était que si ce bâtiment-là était vendu ailleurs, l'association aurait 3 semaines pour partir, quoi. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'il y a eu vraiment une grande mobilisation de tout le monde, des adhérents, etc., pour pouvoir acquérir le bâti. Et donc, comment ça s'est passé? Les adhérents, ou même d'autres gens qui gravitaient autour, tout le monde n'était pas forcément adhérent, mais qui pouvaient se le permettre, on fait un prêt à l'association, et l'association a échelonné. On commencera à rembourser à partir de l'année prochaine et en fonction des besoins de chacun. Tout ça, ça a été travaillé, donc il y a une convention de passé avec chaque personne qui a prêté. Et donc l'association est officiellement propriétaire des lieux. Alors le bâtiment a été acheté à 73 000 euros. On a, comme le disait Pauline, des horaires d'ouverture où l'accueil est ouvert, donc c'est-à-dire que n'importe qui rentre doit trouver quelqu'un pour l'accueillir, que ce soit Pauline, moi ou d'autres gens qui sont d'accord d'être à l'accueil de temps en temps. Donc du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h. Et puis après, déjà les associations utilisatrices et les utilisateurs individuels, eux, sont là à des horaires complètement variables, notamment la radio. Eux, parfois, ils sont là tard le soir, ils sont là quand il y a des émissions, etc. Donc après, chaque utilisateur a la possibilité de venir quand bon lui semble. Donc il y a
Il y a des activités, c'est-à-dire des choses mises en place directement par l'association Carte Blanche, dont Pauline est coordinatrice plutôt. Donc, comme elle l'a décrit tout à l'heure, le café bien, par exemple, le café associatif, qui, à travers lequel il y a des événements d'organiser assez régulièrement, l'ouverture du café bien au moins deux fois par mois, avec potentiellement des événements, à savoir spectacles, concerts, etc. Il y a aussi donc l'atelier partagé qui est l'espace dans lequel on se trouve. Là, il y a soit des possibilités d'initiation à différentes pratiques artistiques encadrées dans un premier temps par Pauline ou Amy qui était là avant moi. Et après, il y a aussi possibilité d'utiliser l'espace de manière autonome. Et il y a aussi des intervenants extérieurs qui peuvent venir faire des interventions sur différentes choses, par exemple de la vannerie, des choses très différentes. Ça, c'est les activités qui se passent à travers Carte Blanche, l'association Carte Blanche. Mais ensuite, il y a toutes les autres choses qui se passent dans la maison et qui sont, elles, plutôt en lien soit à des projets en partenariat entre les différentes structures qui sont dans l'établissement, ou alors les associations elles-mêmes qui mettent en place des choses. J'ai l'impression comme ça que chaque tiers-lieu est un peu spécifique, puisque déjà il est beaucoup défini par les gens qui l'habitent et les gens qui le font vivre. Ici, par rapport aux autres tiers-lieux, on va dire, qui nous entourent, que ce soit au niveau du département ou qui sont pas très très loin, je dirais que la spécificité pour nous qui est en train de se développer en ce moment, c'est le côté formation. En fait, on a été labellisé tiers-lieu de compétences avec un projet qui s'appelle Campus Rural. Et donc là, on travaille en partenariat avec deux associations qui sont dans nos locaux, donc la MFR et Emmaüs Connect. Et là, il y a un vrai projet de formation. L'idée, c'est de faire de ce lieu un lieu où il pourra recevoir des formations. On a déjà l'OTDIF qui vient faire des formations, je ne sais plus, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Alors l'OTDIF, l'Office départemental, l'OTDI, d'information pour les femmes et les familles, quelque chose comme ça. Donc il y a par exemple ça, des partenaires extérieurs qui viennent faire des formations dans nos locaux. Et puis l'objectif de ce projet Campus Rural, c'est nous de proposer des formations et de répondre à un besoin qu'il y a sur le territoire d'accès à la formation et de faciliter l'accès à la formation et de proposer des formations manquantes et de faire le lien entre les formations, les entreprises, les gens qui sont en besoin, etc. Donc ça, je dirais que c'est peut-être quelque chose d'un peu spécifique qui est en train de se développer. Eh bien, le public de manière générale, il est très très éclectique, c'est-à-dire que déjà chaque utilisateur ou chaque association utilisatrice a son public cible. Puisque nous, l'objectif du tiers-lieu, c'est vraiment d'avoir une diversité de personnes qui viennent utiliser ce lieu et qui se rencontrent alors que peut-être en dehors, elles ne se seraient pas rencontrées. Donc on a vraiment public en situation de handicap, public enfant, public jeune, des personnes âgées, des personnes qui en sont à la fleur de l'âge, je ne sais plus comment on dit, mais enfin, voilà, il y a vraiment des gens en activité, des gens qui sont plutôt en rupture avec le monde professionnel, enfin voilà, ça brasse. Le but aussi à travers Carte Blanche, puisque c'est un lieu qui est vraiment grand, où il y a de l'espace et où il y a différentes salles. Donc l'objectif, c'était aussi de proposer des espaces de travail, de mutualiser des espaces de travail, des bureaux, en mettant à disposition aussi une connexion Internet, peut-être un espace où on peut aussi échanger avec les autres. Donc comment ça fonctionne? On a des...
des utilisateurs qui vont venir utiliser les espaces de coworking, soit de manière très ponctuelle, soit régulièrement, et mais qui, eux, là, sont d'accord de potentiellement partager un bureau quand les bureaux individuels sont déjà utilisés. Donc là, il y a soit un forfait à la journée, au mois ou à l'année, en fonction de l'utilisation, toujours avec l'histoire des trois échelons différents, comme ce que disait Pauline tout à l'heure, pour être sûr que tous les budgets puissent accéder au service. Et puis ensuite, donc ça, c'est le coworking. Et à côté, on a aussi dans les utilisateurs et les utilisatrices du lieu, on a des bureaux attitrés. Voilà, donc des gens qui sont là, eux, qui ont besoin d'un espace qui reste défini. Et donc là, c'est vraiment une mise à disposition de bureaux. Alors, le terme tiers-lieu, donc j'avais fait mes petites recherches pour mon entretien d'embauche. C'était il n'y a pas si longtemps, donc je m'en souviens. Mais non, j'avais regardé, donc ça vient de... C'est un terme anglais à la base, donc third place. Et donc c'est un lieu qui n'est ni le lieu familial, ni le lieu professionnel. C'est un autre lieu, en fait, un autre lieu où il pourrait se passer des choses peut-être qui se rapprochent à ce qui se passe à la maison ou sur le travail, mais qui sont définies dans un lieu différent. Et pour moi, le tiers-lieu, c'est vraiment un lieu des possibles, un lieu qui est en mouvement, un lieu qui est en mouvement, mais un lieu où on peut aussi se poser, enfin voilà, qui peut redonner une place dans une collectivité à tout individu qu'on aurait envie ou besoin. Mais je crois que c'est assez difficile pour Carte Blanche de donner un titre spécifique. Je dirais que là, ce qui me vient en tête, puisque c'est vraiment ce vers quoi on tend, que ce soit pour l'aménagement du bâti ou que ce soit pour les financements, etc., c'est d'être un tiers-lieu de compétences. Donc vraiment un lieu basé sur la mutualisation des compétences et aussi un lieu de formation. Alors on a pas mal de financements publics. On a une partie, on a des financements de l'État, on a des financements de la région, qui sont des financements, donc en fait tout est divisé, hein, mais on va avoir des financements qui vont être spécifiques sur nos postes, pour nos salaires à Pauline et à moi. Ensuite on va avoir des financements pour du fonctionnement en général. Donc l'État, la région. Là, on a eu l'Europe avant, on va retourner chercher l'Europe. Donc on a quand même beaucoup de financement public. Ensuite, là, se poser la question prochainement d'aller peut-être chercher des financements privés, donc par exemple du mécénat ou des choses comme ça, ou aller taper à la porte de certaines fondations aussi. Et puis, on a une part d'autofinancement qui est pas énorme, mais qui est pas à négliger non plus. Et donc cette partie-là, elle arrive sur certaines recettes de certains événements qu'on organise, les adhésions, la mise à disposition des espaces, les recettes du café bien, ce genre de choses. Oui. Alors, pas toute seule, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose, en fait mon rôle c'est vraiment de plutôt être proactif dans qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce qui existe, se tenir au fait, soit des choses qui vont se terminer, soit des choses les portes auxquelles on va pouvoir aller taper. Mais après, c'est pas toute seule pour deux raisons. Déjà parce que il y a plein de projets qu'on fait en consortium ou en partenariat, et donc bien souvent c'est des financements qu'on va chercher en fait en consortium, quoi, en groupe, pour tel ou tel projet. Donc quand il s'agit de monter les budgets, etc., on le fait ensemble. Et puis ensuite sur les demandes de financement,
qui sont propres à l'association Carte Blanche. Donc ça, moi, je peux en rédiger toute seule, mais il y a aussi vraiment un gros soutien au niveau du bureau et qu'on peut tout à fait aller solliciter très facilement les personnes ressources du bureau pour être sûr qu'on fasse ce qu'il faut. Et puis, des fois, c'est mieux à plusieurs, en fait, aussi. Alors, les services, ça dépend. Ça dépend, ils peuvent être gratuits ou ils peuvent être payants. C'est-à-dire qu'il y a certaines... Il y a différentes choses. Si on est sur l'utilisation de l'espace, comme la mise à disposition des locaux, bon, ben ça, on demande une participation. Mais par contre, on va dire que les événements qui sont organisés, Pauline parlait tout à l'heure de la semaine culottée, qui est un événement en partenariat qui a été organisé en mars. Et bien là, tout ce qui est proposé, toutes les animations, toutes les choses qui sont proposées, l'accès est gratuit. Donc en fait, il y a quand même cette volonté de pouvoir donner un accès facile aux choses qui sont proposées ici à tout le monde. Après, il faut quand même... c'est un peu le nerf de la guerre aussi, hein, les financements. Donc, il faut quand même pouvoir s'en sortir. Alors, est-ce que je l'ai en tête? Parce que ça fait... Non, je gagne en net... je gagne en net 1670, quelque chose comme ça. Il y a deux choses différentes par rapport à la prise de décision, c'est-à-dire que sur de la vie quotidienne au sein de Carte Blanche, Pauline et moi, on peut vraiment prendre des décisions assez facilement, quoi. Il y a des choses, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup qu'on en parle au bureau ou pas? Non, on peut faire ça toute seule et voilà. Donc on a vraiment de l'autonomie sur plein de choses de la vie quotidienne. Après, il y a bien sûr, je dirais, les grandes décisions ou les choses sur lesquelles on a vraiment besoin soit de l'avis du bureau, du conseil du bureau ou du CA, où là, les décisions, elles sont prises ensemble. Quand on va se lancer dans un nouveau projet ou quand on va... Bien souvent, ça va être, on va les consulter, les membres du bureau ou les membres du CA, demander leur avis, etc. Mais dans tous les cas, on est vraiment sur un fonctionnement plutôt horizontal, ou voire qui se croise dans tous les sens, qu'un fonctionnement vertical. Par exemple, on est en collégial ici, au niveau de l'association. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un président, un trésorier, etc. On a six coprésidents. Depuis mon arrivée, moi, j'ai eu la chance de ne pas assister à un conflit. Donc, ce serait vraiment de la supposition, comment ça se passerait s'il y avait un conflit. Et je pense que la grande force de ce lieu et de tous les acteurs qui en font partie, c'est vraiment de croire en... l'échange et la discussion et l'empathie, essayer de comprendre de là où chaque personne se situe et essayer de faire avancer les choses. Je dirais que s'il y a un conflit, en fait, l'objectif premier, ça va surtout être de ne pas faire comme s'il n'y en avait pas. Et de le faire éclater s'il y a besoin le plus rapidement possible. Dialogue, échange, peut-être, comme on a aussi au sein de l'association beaucoup de structures ou de gens qui sont formés dans l'animation, il y a aussi beaucoup de techniques pour pouvoir se mettre à la place des autres. Il y a plein de petites animations différentes qui existent. Donc on est aussi un lieu où il y a plein de ressources comme ça. Et on sait et on saura les utiliser quand il y aura besoin. Alors moi, je suis originaire du Blanc. Et ça faisait 10 ans que j'étais partie du territoire, j'étais partie faire d'autres choses à l'étranger, ailleurs, tout ça. Et j'avais déjà un peu en tête, mais comme quelque chose d'un peu plus lointain, j'avais déjà un peu en tête de revenir sur le territoire, parce que c'est un moment de ma vie où ça a du sens. En fait, des fois, il faut savoir regarder les signes, je dirais. Et par hasard, j'ai vu l'offre pour le poste de coordinatrice de Carte Blanche. Je l'ai vue sur Facebook par hasard. Du coup, j'ai appelé Claire, une des coprésidentes, qui était ma collègue avant, qui est une amie. Enfin bon, voilà. Et je lui ai demandé
plus d'informations et s'il y avait déjà quelqu'un de pressenti sur le poste, parce que des fois c'est aussi comme ça que ça se passe. Et du coup, non, il n'y avait personne, donc j'ai postulé et parmi les 8 personnes, eh bien, c'est moi qui ai eu la chance d'être retenue. Donc voilà, je suis revenue ici parce qu'en fait, à la base, j'ai fait un DUT carrière sociale, donc j'avais travaillé sur le territoire déjà plutôt dans l'animation. Après, pendant 10 ans, j'ai fait des choses pas trop loin du, quand même, du socio-culturel, mais voilà, j'ai fait un peu d'enseignement, tout ça. Donc finalement, je reviens à ce que je faisais avant et je reviens sur le territoire où j'étais avant. Bon, voilà. C'est quoi qui m'a marqué le plus ? Ben, en fait, c'est un peu étrange parce que moi, je venais ici quand c'était une maison médicale. Donc en fait, je dirais que c'était la redécouverte du lieu avec finalement une structure qui est tout à fait pareille, mais une utilisation qui est complètement différente. Et je dirais, c'est pour ça que c'est difficile, parce que j'ai redécouvert le lieu. Et quand j'ai redécouvert le lieu, j'ai aussi redécouvert plein de têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Mais je dirais que si je m'attache juste au visuel du lieu, je dirais que ce qui m'a marqué, c'est qu'il y en a partout. Ça, je trouve ça. J'ai l'impression que pour moi, c'est un peu trop tôt pour dire ça. Ce que je sais, c'est que j'aime ce lieu pour tout ce qui procure, je pense, chez les gens qui l'utilisent, à savoir. C'est un lieu pour moi qui donne de l'énergie, qui peut en prendre aussi, mais qui en donne. Et c'est un lieu de vie, quoi. C'est un lieu où il y a des humains. L'interaction humaine, c'est ce qui prime ici. Et c'est un lieu qui, pour moi, permet de se recentrer un peu sur ce qui compte, quoi, finalement, enfin à mes yeux, sur ce qui compte finalement, c'est-à-dire être les uns avec les autres, quoi, partager. Et après, je pense ne pas avoir assez de recul pour identifier quelque chose en particulier que j'adore ou quelque chose en particulier qui me pose question, c'est un peu trop tôt. Je vais être comme Pauline, je vais dire là comme ça, je sais pas. Je vois pas. Non, je sais pas ton ambulance. Tu vois ? Voilà, et ton Tour de France des tiers-lieux, je trouve que c'est top comme initiative. À bientôt. Je sais pas. So awkward. Merci. Eh bien, moi, c'est Julien, l'arbalète, très original, ça fait rire beaucoup de monde. J'ai 40 ans dans quelques jours, enfin un mois, et je suis originaire du coin, je suis né au Blanc, voilà, je suis d'ici. Alors, à l'heure actuelle, mon travail, c'est directeur d'antenne de Radio Dynamo, une toute nouvelle radio pour le secteur. Je dis tout nouveau travail parce que je ne faisais pas ça avant et on a pris poste avec mon collègue Romain depuis le mois de mai de l'année dernière. Donc voilà, je m'invente un boulot et puis c'est parti, c'est de la balle. Alors, comment ça s'est passé ? On a été en attente de décision d'achat de carte blanche du bâtiment pour nous s'ancrer dans le bâtiment de manière pérenne parce que bah, déplacer tout le matos d'une radio comme ça, c'est pas rien. Donc dès qu'on a eu l'aval de l'assaut sur l'achat du bâtiment, on a entamé une série de travaux, une rénovation parce qu'on est dans l'ancien appartement du bâtiment. Et donc après travaux, on a installé le matos et puis l'aventure est partie. On loue le local, on loue les presque 40 mètres carrés qu'il y a là, donc qui se compose en 3 parties. On a le studio en lui-même, et puis après au bout on a un bureau de poste de travail, d'enregistrement, etc. Et puis on a un autre local qui va être un peu transformé, puisque pour l'instant c'est douche et toilette de l'ancien appartement, mais on va le mettre en lieu d'accueil et puis en poste de travail supplémentaire. Et après, bah, pour faire fonctionner la radio, on a 2 emplacements d'antennes. On a fait le choix d'investir dans les antennes pour pas louer un emplacement à 11 000 euros par an. Donc on a un emplacement sur un bâtiment du Blanc et un emplacement sur un bâtiment d'Argenton avec une location de local en dessous. Alors plusieurs sujets. Moi j'étais lié à Carte Blanche au tiers-lieu puisque je suis un des, pas cofondateurs, mais en fait je fais partie des prémices du projet.
Et puis, c'est une évidence que de mettre une radio dans un lieu comme ça. Si on avait été dans un lieu seul, accompagné par la mairie ou je ne sais quoi, mais sans passage, la radio, elle n'a pas du tout la même dimension. Là, on a énormément de passages, de gens, d'artistes, de professionnels, d'indépendants, d'associations, d'officiels, de gens des communes ou des communautés de communes. On a un panel de gens incroyables qui passent ici et qui fait fleurir la radio, quoi. C'est une radio locale. C'est une radio locale. Associative, locale serrée, puisqu'on est sur deux communes qui sont à 40 km d'écart sur les deux antennes. Donc on a un bassin d'une centaine de communes sur les deux antennes où on émet. Et puis c'est un laboratoire d'essais artisanal, on fait notre petite popote, on essaye on essaye plein de choses autour de ce média, on essaye de donner la place aux gens qui ont envie de prendre place derrière le micro, de pouvoir concrétiser les projets qu'ils ont envie de faire. Alors, c'est grave le nerf. On a la chance pour les radios, puisqu'on a quelque chose qui s'appelle le FSER, c'est le fonds de soutien aux radios, qui est un truc complètement spécial aux radios, comme on l'a nous. Grosso modo, il y a des budgets qui sont alloués à la création et au fonctionnement des radios associatives. Donc là, c'est des choses qu'on peut aller chercher jusqu'à hauteur de 40 000 euros par an. Et puis on a un deuxième volet sur ce FSER qui est fait pour le fonctionnement selon ce qu'on y met dans la radio, si on parle du handicap, si on parle de choses qui sont frappantes et puis un peu essentielles, on rentre dans les cases, on a de l'argent supplémentaire. Par contre, c'est des dossiers comme ça à faire, forcément. Et puis après, on a des aides à tous les étages, hein, par l'Europe, par la région sur l'emploi, avec le CAPASSO, par l'État, et puis par le département. Enfin, tous les niveaux, on essaye d'être à tous les niveaux pour avoir des subventions, puisque le fonctionnement est assez important. Je crois que de mémoire, le budget pour la deuxième année, parce que la première année était très courte sur les émissions, sur la deuxième année, on doit être aux alentours des 60 000 euros de fonctionnement, je crois, quelque chose comme ça. Avec une super surprise, on a réussi à faire un autofinancement de 20%, donc avec les adhésions, avec les ateliers qu'on anime avec des collégiens, des maisons de retraite, voilà, plein de choses comme ça, on arrive à rentrer un peu d'argent. On a une super t-shirt aussi à vendre, Radio Dynamo à 15 balles, et puis des campagnes de pub, alors qu'on fait seulement pour les artisans, commerçants et asso du coin. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est un peu le fonctionnement de la radio. Et puis pour avoir le droit d'émettre, eh bien, on se rapproche de l'ARCOM, anciennement dit le CSA, qui est complètement décideur là-dessus. Donc ils nous disent, eh oh, on a des fréquences de prévues qui vont être prenables, postulées, et on vous dira si vous avez le droit ou pas. On a été sélectionné au blanc avec 17 radios, en concurrence avec 17 radios au blanc et 14 radios à argenton, et on a eu les deux fréquences. Donc un super, on avait un super dossier, donc on a une super récompense. Et puis dans la foulée, après avec l'ARCOM, tu définis ton projet, ce que tu mets dedans, où est-ce qu'on met les antennes, comment on le fait. Et puis après, une fois que toutes les autorisations sont posées et qu'Internet est là, c'est parti. Ici à la radio, alors dans le tiers-lieu carte blanche, je suis toujours bénévole, je suis même au CA. Et à la radio, je suis salarié, j'ai quitté le CA pour prendre un emploi à mi-temps. Donc on a un ETP qu'on se partage à deux personnes, chacun à mi-temps. Et puis, comme le projet est en lancement, on se donne à fond. Donc on fait beaucoup d'heures et ça paye, puisqu'on est en train de faire les demandes de subvention pour un deuxième poste. Et donc on espère, avec mon collègue, passer un plein temps. Et puis on a le super soutien de notre Tom. On a eu un service civique pendant un an qui s'est donné comme un dingue. Et lui, il passe 40 à 50 heures par passion ici. Et c'est super, quoi. Enfin, ça, on voit l'émulation autour du projet. Les prémices du projet, on a eu plein de gens qui étaient curieux. Sur la première année de fonctionnement, on n'était pas très connus parce qu'on n'a pas fait de com' sur le projet. Et maintenant, les gens commencent à savoir qui on est, pourquoi on est là, est-ce qu'on y fait.
Et beaucoup de gens nous sollicitent, donc ça peut être des écoles, des particuliers, des assos, des collèges, lycées, etc. Et on multiplie les projets, on nous demande beaucoup, on a la possibilité avec un peu de matos de faire du plateau extérieur. On prend la main en direct sur la radio, donc on fait pause ici, et puis on prend la main en direct depuis... alors ça peut être très bien de la cour d'en bas, mais à 200 bornes, vu qu'on passe par Internet. Et ça plaît beaucoup, beaucoup aux gens, ouais. Alors aucun intérêt à 200 km, mais... Principalement la musique. J'y connaissais concrètement rien en radio, mais j'ai mon pote Romain qui est lui, qui avait déjà fait de la radio et qui était très très intéressé par ce genre de projet, qui est d'ailleurs à l'origine du projet il y a 7 ans déjà. Et il nous a proposé ce projet radio dans lequel on s'est jeté. En vous passant les détails, on a eu un premier employé qui est lui de métier, mais qui a été remercié parce que ça ne l'a pas fait momentanément. Et puis derrière, il a fallu combler le vide de l'emploi. Et du coup, avec Romain, il est venu me voir. Il me dit, on a déjà bossé ensemble ailleurs. Je sais comment ça va se passer. Toi, sur l'animation, ça va y aller. Moi, sur la paperasse, je vais gérer. Et on va croiser les savoirs pour faire un beau truc. Et c'est comme ça que ça a matché, quoi. Et du coup, je me découvre une passion pour le montage. Le montage, ça me botte. Et puis la communication avec les gens, c'est un truc que je pratique déjà depuis longtemps et c'est top, quoi. Eh bien, je fais partie des associations de Leblanc et d'alentour depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, on avait un sérieux manque de local pour faire ou du stockage ou des réunions, peu importe, on avait un manque de local. En parallèle, il y a eu la défense de la fermeture de la maternité qui s'est passée, qui a déjà dû être racontée par d'autres. J'étais pas trop présent, mais j'étais quand même dans ce truc-là. Et puis au fur et à mesure, les assos, les copains des autres assos, les uns les autres, on se retrouvait dans ce lieu prêté par les médecins à l'époque. Et en discutant, on a demandé aux médecins, on a commencé à investir les lieux et on a vu le potentiel du projet. Quand on est 20 assos à avoir une même envie pour un truc... ça crée un espèce de mouvement qui est happant. Et puis pour le devenir, quand on a un lieu où on peut faire du coup ses réunions, son stockage, des ateliers, moi ce qui m'attirait le plus c'était musique, donc la culture, musique, théâtre, atelier, bricolage, etc., décoration pour des événements. Donc là j'avais vu le potentiel du truc, quoi. C'est ça qui m'a motivé. Mais c'est parce que c'est le nôtre. Il est particulier parce que c'était un sérieux manque au blanc. On est dans une zone qui n'est pas très... c'est une zone rurale. Et il nous manque toujours un petit peu ces trucs-là de mouvement, d'information, de choses où ça émule plein d'idées. Je dirais que c'est un peu la particularité du lieu, c'est que ça crée un mouvement. Tu me prends à froid, mais c'est pas grave. Faudrait que les gens, c'est mon ressenti actuel, faudrait que les gens s'ouvrent un peu sur leurs voisins, sur les gens qu'ils connaissent pas. Quand on a peur de l'inconnu, suffit de s'y intéresser pour savoir qu'il y a du bon partout. Et puis on découvre des trucs de dingue. En fait, ce qui est différent de nous, c'est apporte souvent du plus que de la contrainte. Voilà. Ça, c'est un truc, c'est un peu une ligne de conduite que j'ai adoptée depuis quelques temps et ça roule bien. Ouais. Ben, merci à vous.